Le destin est une pute, je l'ai toujours dit, et je suis convaincu qu'on peut le changer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alice. Ça y est, nous sommes enfin à la première partie du dernier procès du jeu Justice for All. Pas trop tôt, après tant d'attentes, tant de mois. T'es devant moi. Bonjour, je vais le renommer Double Face en fait. Deuxième appel de la journée. Trop bien. Ah. Non, je me suis trompé. Super, tu m'aides beaucoup. Que je fais. Waouh, mais c'était incroyable. Et ça peut être intéressant. Allons-y pour le plus long procès du monde. Il va durer au moins 2 heures. A priori, dans. C'était dans quoi? C'était. Ouais, c'était il y a quelques semaines. Il y a un pote qui m'avait dit que le dernier procès de Layton Cross Phoenix Wright, il durait assez longtemps. Je crois qu'il m'a dit à peu près 6 ou 7 heures. Bah, dès que je pourrai jouer, je verrai bien ce qu'il donne. Le doser. Et voir ce que ça en dit réellement. Peut-être je le ferai un jour. C'est parti pour le procès final. Jusque là, ça se tient. Oui. C'est un coquillage. Bien joué. Exactement. On ne sait pas qui c'est. Enfin, si. On sait qui c'est, mais on ne voit pas le visage. Eh oui, cher public! Surprenant, n'est-ce pas? Comment cela? Je ne comprends pas. Je sais! Ça va être lourd! Encore heureux que les procès se fassent en deux parties. Encore heureux. Cela ajoute un peu de piment à l'action et de durée de jeu aussi. On s'en fout.
Effectivement, c'est étrange, dis donc. Déjà, il est rentré dans sa chambre, ouais, quelque chose qu'il n'a au grand dain jamais dit ou évoqué même. Pour employer un mot un peu plus soutenu. Il parlait avec quelqu'un? Voilà qui est un petit peu louche. Parlerait-il tout seul en même temps? Il est schizophrène, ça ne m'étonnerait même pas. Allez, encore 5 secondes d'animation gratuite. Sautons dans le piège qui est à 2 cm de nous. Les deux pions. Ah, super, mon gars est revenu à fond. Je ne m'en souviens pas d'ailleurs. Attaquons cette phrase qui me paraît un petit peu étrange. Alors, il va falloir faire preuve de méthode. Ah, il portait une sorte d'uniforme de groom. Bateau avec une bouteille de jus de fruits. Comment cela? Je ne sais pas. Ouais, c'est étrange. Senti. C'est normal, j'ai envie de dire. Alors là, ouais, je suis en train de me tromper de gauche déjà. Voilà qui est assez étrange. Voyons. Je réfléchis là, mais j'ai un peu de mal. Non, j'ai déjà pas. Ah! J'avais pas vu que c'était modifié. Je suis complètement con, moi. C'est un témoignage qui a complètement modifié. Devenir pourboire, très franchement, je vois rien de comment dire, suspect. Hunter est sur contrebalance. Oui. Je vois rien de d'étrange là-dedans, mais bon, allons-y. Pourquoi? Combien? Oui.
Je veux dire la tête du groom. Oh, c'est bon, se calme. Manger le point de suture, effectivement, c'est étrange. Ah ah! Révélation! Flashback de fou. Je vous assure que je n'ai rien à dire. Que l'est-il? Effectivement, tout cela est très étrange. Il faut présenter une objection. Mais où? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon. Ah mais non, mais je suis bête, moi. Non, c'était une autre question. Le pourboire, voilà. Pas beaucoup trop. Ah, j'en suis sûr. Oh, voilà qui éveille des suspicions. Avec une musique trop bien qui colle à l'action. Ah bah largement, il s'agit d'un paiement. Ah, je formule une objection. Ah ouais, je gagne du temps. Ah bah oui, ah bah trop. Ah, si tu voyais la moto qu'il a dans son salon. Ha, lol. Un paiement. Comment? Comment cela? Oh mon dieu, tellement de révélations! Oui, ça doit vous dire quelque chose, normalement. Merci de le dire maintenant. Très sympa de ta part. Tu me fais gagner du temps, c'est bien. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Prolonge le procès. Prolonge-le. C'est vrai quoi, je ne vois pas ce qu'il a à faire là, mais pourquoi pas? Évidemment, ça coule de source. Comme l'eau de source, insérer une marque d'eau dans cette phrase. La tête débile de Phoenix.
s'en fout. On s'en balance. Monsieur Corrida. Aïe aïe. Le ninja Billy. Effectivement. Comment cela insolite? Il y a plusieurs solides dans insolite. Oui, cette blague est nulle. Ah oui, c'est pas courant. Pirouette. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. J'essaye de gagner du temps. Je tente des trucs. Je tente une pirouette, ça m'a tout de suite dit c'est le schnapps. Modifier le témoignage. Et moi je t'assure que non, c'est le schnapps. Du jus. Quelle sorte de jus? Évidemment. Évidemment. Ah, le sabre est quoi? Il est pas mis. Est-ce que si je mets le verre en objection, il va se passer un truc totalement incroyable. Attention, je présente le verre. Il est long. C'est le schnapps. C'était le verre. Schnapps total. Le pif absolu. Ah bah si, point de suture, c'est louche, j'ai envie de dire, mais... Un accident, voilà. Ouais, alors la comparaison, par contre, elle est moyenne. C'est des coutures. Voici la photo d'un mort, avec une bouteille, un plateau et un verre. C'est normal qu'il sorte donc les mains vides. Il y a une bouteille et un plateau. C'est donc normal qu'il sorte les mains vides. Voilà, je ne vois pas vraiment... Ah, techniquement... Voilà. Il était sans doute pas encore mort. Qu'est-ce qu'elles avaient ces mains? Elles avaient pas de gants. Des gants, oui. Je connais des rooms qui portent des gants noirs. De... Ah oui, bon, non, ça c'est pas normal. Normalement, c'est blanc. Des gants de cuir noir. Je ne ferai pas de référence sur le cuir. Vous êtes dégueulasse.
Où est le problème? Non, bon, les comparaisons débiles, là, j'arrête. Non, là, j'arrête. Les comparaisons avec les objets de sport, c'est mort. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Il a peut-être froid. Il avait peut-être froid ou non. C'est tout. Je suis sûr qu'il avait froid, moi. Je gagne du temps. Ta gueule, Phoenix Wright. Ta gueule, Phoenix. Tais-toi. Juste. D'après la musique, j'en jugerais que nous sommes à la moitié de cet parti épisode. Ta dernière phrase était inutile. Je tiens à te le dire d'ailleurs. Il a dit mon cul. Je suis grossier, je sais pas. Ça marche. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Je parie sûr. Bon, pas une carte. Non, la carte. Avec le coquillage, il l'a posé à côté du corps. Donc, qu'est-ce qu'il a pu te donner? Ok. Ce quelque chose. Il ne sait pas. Petit. Ok, on va recommencer et on va poser une question à la fois. L'occupant de la pièce cette fois. La personne à l'intérieur, voilà. Ça aide beaucoup, tu le sais ça. Son bras? Ah bah, ça peut être intéressant. Et bah décris son bras, tiens. Ah bah en plus c'était le pif total. Ah j'en suis sûr que c'est je suis sûr que c'est important aussi. Attention aux dépositions. Une statue de bois. Une statue de bois. Ok, ça marche. Une statue de bois, je serais tenté de dire que c'est... C'est pas ça, la... Elle est... La... Blargue. Ah, voilà, voilà. Tenter une... Pardon. J'ai repensé à un truc. Bon, bah celle-là, c'est le schnapps. C'est le schnapps, c'est le schnapps. Voyons, voyons. Je sais là-dessus, j'en suis sûr. Je vais avoir toutes mes preuves, mais je vais trouver.
C'est ça? Ah, c'est en bois, ça! Eh, vous foutez de moi, là! De loin, ça ressemble pas à du bois! C'est quoi, ce schnapps? C'est le schnapps. Je suis désolé, c'est du pif absolu, ce que je suis en train de faire. De loin, c'est pas du bois, ça, franchement. Ça ressemble à peluche normal, j'ai envie de dire. Quelque chose à dire. Ta gueule, voilà. C'était ça. Exactement, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je... Blah. Oui, c'est ça, on va dire. On va dire que c'est ça parce que j'ai aucune idée. Silence, I'll kill you. Oh. Ah bah oui, évidemment. On le savait tous. Ok, je fais quoi? Je tente une pirouette une deuxième fois. Ce que j'essaie de montrer, mais je sais pas. Oui. Eh bien, je souhaiterais examiner. Voyons, dis-moi j'ai le nom T. Non, ça m'étonnerait. La personne qui a reçu l'ours. Non, ça me paraît con. L'ours lui-même, alors. Exactement. Trouvez en garde, s'il vous plaît. Cela veut tout dire. J'ai pas compris moi-même. Effectivement. Attention, cet ours est capital. Objection. Hunter, oui, qu'y a-t-il? Je sais. Je sais. Oui, ça aussi je le savais. Oui, tout à fait. Enfin, ça me paraît étrange, c'est bon. Ouais, tout à fait. Quelque chose que nous avons tous oublié, sauf moi évidemment. Eh bien, tout simplement, je n'avais pas déjà fait. Ouais, il se passe un truc là, j'avais pas déjà fait ça. La personne qui a reçu l'ours, évidemment. Voilà, exactement.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Ouais, évidemment. Tu te fous de ma gueule, j'espère. C'est une blague. J'espère que c'est une blague. Je sais pas. Beaucoup. Bien, je pense que nous avons tout. Effectivement. Je n'ai pas dit mon dernier mot, Hunter. Eh bien... Objection, évidemment. Sinon, il n'y aurait pas de deuxième partie de procès, ça ne serait pas intéressant. Oh, le coup bas. Et maintenant, je viens de comprendre. Les raisons de Carmine Hunter. La victoire à tout prix. Il faut agir pour son propre... pour sa propre personne. Et ouais, on a tombé sur le nom de mon client, mais peut-être que ça a été un piège. Eh bien, surtout, faire un gros coup bas. Mademoiselle Andrea Landry. Évidemment. Oui, vous avez tous oublié, n'est-ce pas? C'est peut-être Madame Landry. Et ouais. Vous l'avez pas vu venir, celle-là. Vous l'avez pas vu venir, n'est-ce pas? Bien. Un piège orchestré minutieusement préparé par Mademoiselle Landry. Tout s'éclaircit dans votre esprit, j'en suis sûr. Ouais, alors tu prends une erreur au pif et on verra. Ok? Donc tu te calmes. À cela je dis bullshit. Je dis bullshit, mais pas seulement. Et ouais, même le public est subjugué. Ouais, je vous écoute. Mais pas du tout, pas, y a aucune négation. Je pourrais mourir en paix au moins. J'essaierai de sauver une vie. Hunter, comment? Hunter va m'aider? Quel rebondissement! Alors, j'ai une idée saugrenue qui vient de faire tilt dans ma tête. Est-ce que dans cet ours en bois se cacherait un objet important et qui était mentionné plusieurs fois dans cette affaire, comme par exemple la lettre de suicide de Céleste la voûte, comme c'est qu'elle s'appelle. Ah, non, la voûte Céleste, j'ai compris que maintenant on la ferme.
J'ai compris que maintenant. Oui, je suis crétin. On le sait tous depuis longtemps. Oh, je l'avais pas vu venir celle-là, hein. Putain, l'épisode le plus... Ah bah non, il y a une pause. On enchaîne direct ? Ah putain. Une grande force, je dirais. J'entends, j'ai un coup de téléphone, trop bien. Yeah, musique du fitness. Je prolonge le procès, alors ta gueule. Allez, dis-moi que t'as fait quelque chose. Tu fais chier, je te tiens à te le dire. Un indice. À la force de me dire, c'est pas mes dire plutôt. J'ai vu ça une fraction de seconde. Alors peut-être que je me suis trompé, peut-être que vous ferez un arrêt sur l'image et me direz si je me suis trompé, mais j'ai vu me dire. Un chapiteau. Qui est le crétin qui a dit cette phrase? Qui? Laisse-moi deviner. Le cirque. Ça alors ! Mais toutes les affaires se croisent dans cet épisode ! Enfin, c'est... Ah, c'est du haut niveau, là ! Oh là, il y a du twist scénaristique. Il y a plein de boîtes aux lettres. Tu m'étonnes, pas de hamburger depuis au moins 4 jours. Direct le procès. Ok, donc là le procès. Ok, le procès final de fou là. Là je fais tout en one shot. C'est le schnapps. On va y arriver. On est on est comme ça. On va y arriver. Le schnapps total. Le schnapps la plus totale là. Non, moi je pensais que ça allait être un petit épisode de 40 minutes tranquille. Non, là c'est le schnapps. Allez, vas-y, 1h30, ok. Bonjour André, j'espère que ton séjour en détention t'a fait du bien. Comment ? Elle est très coopérative. Très très étrange. Ça sent le piège. Le puzzle. Une boîte à bijoux. Ah, allez, ma théorie de la lettre de suicide
quand tu commences à s'agrandir, j'arrive pas à le dire, à se compléter, voilà. Oui, merci. Tu m'étonnes qu'elle a de l'importance, cet ours. Bon, cependant, je vous cacherai pas que j'aurais bien besoin d'une petite pause là. Un puzzle, effectivement. Ok, c'est donc un casse-tête chinois niveau 6. Ah, le juge. C'est le juge qui fait n'importe quoi. Oui, qu'y a-t-il au centre? Un tout petit objet. Oh. En fait, ma théorie est fumeuse. Peut-être que il y a une preuve compromettante dans cet ours. On l'éclate par terre. On l'éclate par terre, il se brise, on récupère la preuve à l'intérieur. Aussi simple que ça. Un cadeau. On l'éclate par terre, on récupère l'objet qu'il y a dedans. C'est aussi simple que ça. On peut pas l'éclater par terre, c'est ce que t'es en train de me dire. De Suisse. Ah, les Suisses, les montres, le chocolat et tout. Et plein de choses. Ça me paraît logique. Ah, tu m'étonnes. Ah, tu m'étonnes trop. Moi, j'aimerais bien Joanne. Désolé, je reviens dans un instant. Tac, de retour. Je suis juste allé boire un coup parce que je commence à crever de soif. Un puzzle. Donc le plus d'infos possible. Bon, bah au moins la figurine est mise à jour, j'ai fait tout ce qu'il fallait a priori. Tant mieux. Réalisé. Exactement. Je te le fais pas dire. Moi je dis qu'il y a une preuve compromettante de deux killers. Il faut péter la boîte. Si tu ne l'ouvres pas, je la casse par terre. Attention. Et au bout de 10 minutes, un silence pesant remplit la salle d'audience. Les yeux sont rivés sur mademoiselle Landry qui s'exécute et démonte la figurine. Clic. Et dedans se trouve, attention, un papier, une note, lettre. T'as dépensé quoi? Qu'est-ce que ça dit? Putain, je l'avais toujours dit! Je le savais! Je le savais, putain!
gagner. C'est ce que tout le monde veut savoir en fait. Même vous derrière votre écran, vous voulez le savoir. On sait, mais nous sommes dans une affaire qui demande à ce que des secrets soient révélés. Très bien, je ne vais rien dire pendant que le juge parle. C'était assez court, mais bon. Un silence pour la mémoire de ce personnage. Qui va rejoindre tous les autres personnages morts que l'on n'a jamais connus. Bah voyons. Héros des héros super-héros, putain, de nom, j'avais complètement oublié cet éventail. Avec ce que ça voulait dire. Arrêtez avec cette expression, ça m'énerve un peu. Bon, au moins, j'ai l'aide de suicide. J'ai à peu près 8, 16, j'ai 25 pièces à conviction, putain. Avec ça. Oh, la ferme. Si avec ça, je peux pas détruire n'importe qui. Ah mais je démissionne, je me reconvertis. Merci monsieur le juge. Nagi, question, est-ce qu'il y a un S? J'ai un doute. On s'apitoie. J'ai encore mal lu. Est-ce s'apitole ou s'apitoie? Ah ben, pourquoi j'ai hésité? C'est con. Mais quelle preuve choisir, je te le demande. Bon. Ok, alors l'ours, ça me semble un peu con. Je veux dire, aide de suicide. Yes. Mais je dis l'aide de suicide et je pense franchement que... Ah oui, vous savez, je suis un fou. Effectivement. Et ouais. Exact. Ah ouais. Un fou, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Moi, merci beaucoup. L'amour du risque. Non, c'est pas le bon générique. C'est Ranger du risque. Ceux qui comprennent cette référence, mettez-la en commentaire.
bien sûr que bah si en fait. Ouais, juste pour voir. Ah, son détecteur à la con. Faire une pirouette. Effectivement. Bon, bah là je suis dans... Je suis foutu. À la fin du procès, vous allez voir que j'ai raison et vous avez tort. Je vais agir dans mon propre gré. J'aime bien parce que un détail très important, tout le monde se tait. Une pièce à conviction à examiner. Non, quand même pas. Je présente mon problème. Mais ce serait quand même bien salaud que ce soit ça. Et vraiment salaud. Objection, ta gueule. Oh, dans ta gueule, le juge! Trash talk! Raillerie! Vas-y! Tu veux savoir, hein? Bah ouais! Oh putain! Ok! Oui! La lettre de suicide! Putain, je le savais! Je le savais, putain! Je savais qu'il y avait une erreur. Yes! Pour ceux qui ne savent pas, un examen graphologique consiste à vérifier si une personne a bel et bien écrit une lettre, un mot, en étudiant la façon dont elle écrit, si c'est en cursive, de combien elle monte, elle descend, la façon dont elle fait les ronds, les etc. Je remercie Pierre Belmar pour m'avoir appris des choses pareilles quand j'étais jeune. Du coup, je gagne du temps, c'est cool. Oui. Je ne le dis pas, j'en suis certain. C'est un gros coup de bluff. J'aime le bluff. Tu veux un morceau de bluff de Kobe? Oh putain, c'est... J'ai envie de mourir juste pour ce jeu de mots. Eh ouais tiens, ah j'avais pas avancé. Oui. Oui, il est en faux, eh bien, oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais la preuve elle est devant toi, l'examen graphologique. Saleté. Et en plus.
dans ton fion. Ah, voilà. Mais non, ce n'est pas impossible. Oh, vous vous calmez dans le public. Vous vous calmez tout de suite. Putain, il y a une rébellion de 12 personnes. Non. Qui ose m'appeler à un tel moment? C'est à moi. Ah, je t'avais. Non mais tu te fous de moi là. On a encore, allez. Bah disons que 12 personnes se rebellent contre moi et que c'est un peu la merde. Voilà. Bon, je vais pas te le cacher. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Suspense? Pardon. Un instant, monsieur le juge. Hunter, attrape ce portable fictif. Animation de fou, putain. L'image qui tourbillole. Putain. Ce respect de Hunter. Oh, le tribunal de justice n'est fait, c'est moi le héros. Tu n'es qu'un personnage secondaire. Deuxième fois qu'on voit cette image. Hunter, j'attends ton objection d'ailleurs. C'est ultra prévisible. Objection. Voilà. C'était prévisible jusqu'au très fond de mon anus. Oui, je dis anus. Et supplie le juge. Première fois qu'on voit ça, Hunter. Et il est bipolaire, Hunter. Ça doit être ça. Genre. Le climax. Le climax, le cliffhanger de fou. Mon détective, tu m'énerves. Ah ah, des objets. Oula, je la sens pas. Non mais va chercher Maya. Ouais mais là non. Voilà, on n'a pas le temps. Oh non, même détective trash talk.
par le mal. 20 minutes, ok, c'est bon, le temps est à nous. Ouais, mais alors là, ça va le faire. Je pense que c'est être un Glooby Bulga. Wouh! Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Je crois qu'Hunter a eu un accident. Detective a eu un accident, il me semble. Les twists de ce scénario, putain, j'aime ça. Réfléchissons. Ah putain, même pour ça il faut une question. Ah bah, il existe un moyen. Suis-je saut. Bon, par contre, tu vas pas aimer. Bah disons, tu te... oui, bah tu vois. Ouais. Oh putain, dire qu'elle va m'aider. J'ai honte. J'ai honte. Et c'est ce que Hunter s'est sans doute dit. Ça se trouve, c'est ce que Hunter s'est dit. Les cliffhangers, il y a des faux cliffhangers et là le vrai. Putain, mais j'ai envie de savoir la suite là. Ah, tu me laisses sur la fin. Putain, je veux savoir la suite. Oh là là. Ah, c'est la fin là. Ah, c'est la fin de cette... d'une affaire, mais avec tellement de rebondissements et de révélations. Ah, ça me donne envie. Ah ouais, à trop. Ah, si vous aussi vous êtes impatient, je vous invite à liker, à commenter la vidéo, à faire le même pour toutes les autres vidéos, ainsi que pour la playlist. Vous abonner pour la suite qui va arriver très rapidement, de vous tenir des actualités en me suivant sur Twitter, @Raius1. Bon jeu, et à la prochaine.